Hey les amis, c'est Dikoy et Rinchan. Et on se retrouve pour la numéro 9 de Dragon Quest. La numéro 9. Numéro porte-bonheur. Ouais. Alors j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Et en pleine forme. On s'est repris une petite dose de coke entre deux. Ça va mieux. On a fumé un peu d'herbe médicinale. Et donc précédemment, on a récupéré un tout nouveau personnage, Jessica. Salut. Et vu qu'on a sauvegardé, on va pouvoir utiliser les graines. Oh, donc graines de défense, Jessica. Voilà. 4 points de vie. 4. Et 4. 3. Et 3. C'est pas mal. Et compter. Utilité, on va lui mettre aussi, histoire qu'elle soit un peu plus rapide et qu'elle soit capable d'esquiver. Parce que c'est un des personnages qui a le moins de défense du jeu, donc graine de force aussi, histoire qu'elle fasse un peu plus de dégâts. Ça aurait été marrant de mettre toutes les graines de force à Yongus. Oh non. Graine de magie, graine de sagesse, je vais garder pour l'instant. L'équipement de Jessica, il est assez basique, fouet de cuir, tenue de voyageur, diadème. Donc première chose que je vais faire, je vais enlever le brassard d'or de Yongus. Histoire de le mettre à Jessica, voilà, qu'elle ait un peu plus de def. Voilà, parce que là, en caractéristique, attaque 43, 68, 21. Défense 42, 24, 26. Et puis c'est bon pour l'instant. Et on va aller faire d'abord un petit tour à l'auberge. On va aller parler à quelqu'un qui nous donnerait un objet très important à ce stade du jeu. Donc c'est lui. J'ai traversé une période un peu confuse quand j'ai hésité à rentrer dans le droit chemin et même à devenir moine à l'abbaye. Finalement, j'ai décidé de rester dans le coin en faisant croire que j'étais un voleur, mais en me comportant en fait comme un honnête citoyen. Plutôt futé, hein. Maintenant que j'ai quitté la vie criminelle, je peux vous donner ça. Un clou en fer. Objet très important à ce stade du jeu. Tout voleur digne de ce nom peut s'en servir pour crocheter les serrures, mais les gens normaux n'ont aucune idée de ce qu'on peut faire avec. Mais si vous faites preuve d'un peu d'intelligence et que vous l'associez à un autre truc, vous pourrez peut-être réussir à l'utiliser. C'est à vous de trouver ce qu'il faut faire. De toute façon, je suis réglo maintenant, alors il est à vous. Il a une sacrée histoire ce clou, alors faites attention de ne pas le perdre, d'accord? Donc voilà, c'est très rare d'obtenir des clous en fer dans ce jeu. Les autres se dropent sur des monstres avec une chance 3,33%. Et donc on va aller dans l'alchimarmite. Et on va combiner. Oui, donc oui, je sais, oui, blablabla. Elle commence en mode. C'est bien. Donc, on va combiner un poignard de bronze et un clou en fer dans l'alchimarmite. Et vous aurez le résultat tout à l'heure. Tadam! Ça va prendre quelques temps avant que l'objet soit prêt. Et si nous le laissions le temps qu'il se prépare et que nous revenions vérifier plus tard. Exactement. Alors, on aura un petit ding qui nous dira quand est-ce que ce sera prêt. Donc, déjà. Une chose assez utile. Et on va en profiter pour fouiller un peu tout ce qu'il y a autour des marchands. A commencer par le marchand de rose, donc qui a un petit problème avec ses coffres. Ils sont verrouillés. Malheureusement, on peut rien pour lui. Alors, une graine de défense. Jessica va être contente. Voilà. Une arme médicinale. Oh, quoi encore? Maintenant, je suis vraiment en pétrin. C'est mon coffre trésor, mais j'ai perdu la clé. Je me fiche de ce qu'il y a dedans, mais si je peux pas utiliser le coffre, alors je peux plus travailler. Je me demande si quelqu'un a une clé qui pourrait convenir, ce serait trop beau. Bon, voilà. Ça, c'est le vendeur d'armure. Non, ce tonneau-là est un peu gros. Yeah, une aile de chimère. Yeah, désolé, monsieur. Yeah. On va en profiter pour faire 2-3 courses, allez hop. Histoire d'augmenter la défense un peu de tout le monde. Déjà, on n'a rien à vendre là. Si je couvercle de tonneau. Le bouclier d'écaille, je le garde pour l'instant. Vous comprendrez plus tard. Moi, je sais pas ce qu'il m'a dit. Alors, robe de soie pour Jessica. Oui. Qui prend rien à Jessica. C'est vous équiper. Oui. Voilà.
Donc moi c'est bon. Je vais racheter un bouclier d'écaille pour Jessica. Alors je sais que j'en ai déjà un dans le sac, mais comme je vous ai dit, je l'utiliserai pour quelque chose, on prendrai plus tard. Voilà. Elle a déjà un peu plus de défense là. Ça fait plaisir. Elle a même plus de def que Yongus. Enfin, Yongus, attendez. Faut lui acheter ça encore, hein. Et ça. Bah ça je peux l'acheter tout de suite, donc c'est bien. Qui va porter les marchandises? Bah Yongus, hein. Voilà. Il reste plus qu'à acheter la cote de maille à 500. Est-ce qu'il y a moyen de... bah la tenue de voyageur. Bah non, pour l'instant c'est bon. Hein. Bah de toute façon on va récupérer des trucs encore, donc c'est pas un problème l'argent. Enfin, pour l'instant c'est pas un problème. Voilà, une herbe médicinale. 8 pièces d'or. On les expose sur vous, madame. On est vraiment des vandales, en fait. Tiens. Tu me demandes comment elle fait, Jessica, pour les péter. Eh ben tiens. On va en profiter. Ouais. Aligné. C'est parti, c'est toi qui pars à l'exploration. Wouhou. Alors. Bonjour monsieur, je vous le pique, voilà. Et tac. Petite chaîne. La mince chaîne. Nien. Nien, tu as tout. Et hop. Ah, encore deux trucs à péter. Nien. Nien. Pas. Pas sûr. Vous faites peur, monsieur. Bienvenue au magasin d'armes. Que puis-je faire pour vous? Vous faites peur, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il faudra acheter? Donc, le fouet d'épine, Jessica. C'est pas assez. Ouais. Oh, pas loin, pas loin, attends. Vendre. La massue de chaîne qu'on vient d'obtenir. Pas con. Yes! Tadam, le fouet d'épine. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh ben rien d'autre puisque c'est bon pour l'instant. Bah c'est nickel. Tu peux prendre... Je viens de voir. Ah bah non. Tu veux le garder le fouet de cuir? Du cuir? Oui. Je t'ai expliqué pourquoi. Oui, mais... Faudrait peut-être le retirer de son inventaire, non? Pas con. Même si c'est pas hyper important... C'est pas grave, au moins tu pourras y foutre des herbes. Ouais. Des l'herbe. Et on a encore un endroit à fouiller. C'est l'étage de l'auberge. Ah d'ailleurs, on a des petits trucs à lire ici. Car maintenant qu'on a récupéré l'alchimarmite, lire devient très intéressant. Allez, vas-y, tu vas devoir lire. Toujours aux femmes. Il s'agit d'un livre intitulé « Préparation d'herbe pour les débutants ». Ouais, de l'herbe. Alors, saviez-vous que vous pouvez améliorer l'effet des herbes que vous achetez dans les échoppes? Eh bien oui, l'alchimie peut vous y aider. Ah bon, depuis quand? Voici une combinaison élémentaire pour commencer. Essayez de mélanger deux herbes ensemble. Et vous obtiendrez une herbe dotée d'un plus grand pouvoir de guérison. Ce n'est pas tout, il existe également de nombreuses autres manières de combiner les herbes médicinales et curatives. Essayez et vous verrez. Nouvelle recette pour la chimarmite. Herbe médicinale plus herbe médicinale égale. Aha. Un autre livre. Lisons donc avec mon fouet qui pend. Les marins. Ce mois-ci, nous avons une surprise pour nos lecteurs. Mon Dieu. Un entretien exclusif avec la belle et espiègle Mademoiselle Ruby, une riche aventurière qui possède son propre bateau pirate. Tiens, Ruby, ça me rappelle quelque chose. Pas toi? Je voulais dire privé. Mademoiselle Ruby nous a fait l'honneur d'une visite guidée de la grande classe. Elle nous a d'ailleurs confié... Je peux vous garantir que vous ne me croiriez pas si je vous disais ce qu'il a fallu que je fasse pour avoir ce bateau. Ok.
On veut pas savoir. Non, en y réfléchissant bien, je préfère ne pas vous le dire. Il n'y a pas encore prescription. Ça rassure. Oui. Enfin, tout ce que je peux dire, c'est que je donnerais presque n'importe quoi pour garder cette beauté. Donc, voilà. Flippant. On va fouiller ce qu'il y a ici. Même si les femmes n'aiment pas ce SWAT. Même si les femmes n'aiment pas trop fouiller, ben... Allez, Jess, t'as plus qu'à monter tous les escaliers. C'est pas digne d'une suite de sang royal. Enfin, royal, je me comprends. Une cosse de riche, quoi. Il y en a encore combien? Il n'y aurait pas mes écrans. Et tout ça pour quoi? Je vous jure. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Templiers, n'est-ce pas? Ouais, quand même. Enfin, si c'est les Templiers qu'on étudie en ce moment, ouais. Je m'en doutais, ils sont très célèbres. Et ils sont tous tellement formidables. Tu trouves? Ok, tout ça pour ça. Donc là-bas, tu vois un petit bâtiment? Ou bah, t'arrives à le voir? Ouais. Donc, on a ce qu'on appelle l'abbaye de Maela, qui est donc une de nos prochaines destinations. C'est bien joli tout ça. Sauf que, oh, je suis transparente. Bonjour. Au revoir. Bienvenue sur des couettes. Tweet. Ah ouais. Je suis sûre qu'il y en a qui ont pensé que j'allais dire l'animation d'autre chose. Pas vrai? Non. Moi, ouais, c'est pas genre. Bah non, puisque j'avais déjà remarqué ça bien avant. C'est 8 fois dans ta tête. Si vous vous intéressez à l'alchimie, vous devriez toujours jeter un coup d'œil aux étagères de livres lorsque vous en voyez. Vous trouverez des recettes alchimiques partout si vous vous mettez à chercher. Quand on en trouve plusieurs à la fois, ça peut être un peu perturbant, alors il vaut mieux les noter pour pas les oublier. Pas la peine de me regarder comme ça, vous les noterez sans même avoir à y penser. C'est pas si compliqué. Pendant que vous êtes là, vous devriez aussi penser à acheter une ou deux dagues de bronze. Ça peut être utile avec cette bonne vieille alchimarmite. Alors là, il nous donne une petite recette, c'est combiner deux dagues de bronze pour faire une épée de cuivre, l'épée que Dikoï a. Donc personnellement, on s'en tamponne un peu. J'aimerais bien que l'alchimarmite elle fasse ding. Ce serait sympa. Ding dong. Et moi, je descends les escaliers. Et j'en ai ma claque. Toujours monter, descendre, monter, descendre. C'est pas digne de moi, ça. Je suis censée être la meuf qui fout que dalle. Tu veux faire dodo? Oui, j'aimerais bien. Ah tiens, bah vu que t'es pas full life, on va en profiter. Merci. Pouf. J'ai plus que 8 pièces. Vous pouvez pas dormir. Oh non. Oh, j'y crois pas. Faites-vous un prix, s'il vous plaît. On est fauchés. S'il vous plaît. Je vous gratterai le ventre. Oh non. Oh putain. C'est du grand n'importe quoi. Bah ouais. Bon. On a rien oublié dans le bateau? Non, je crois pas. J'espère. Parce que là, on peut en profiter tant qu'on est avec Quai Pérégrin pour en... D'ailleurs, on peut choisir de reprendre le bateau. Ce qui est marrant, c'est des fois de regarder... Enfin, de parler aux gens avec, différents personnages. Par exemple... Quand on parle à Alexandria, par contre, quand on parle avec Dikoï ou Yangus, c'est pas la même chose. Ah, ça sonne! Donc je disais, c'est pas la même chose qu'avec Jessica. Ça s'adapte en fonction des personnages. Alchimarmite! Donc notre toute première recette est prête! C'est magnifique! Le moment de vérité, j'ai hâte!
Voyons ce que tu as concocté. La clé de voleur. Oh yeah. Et voilà. C'est donc ce qui va nous permettre d'ouvrir les coffres verrouillés. Jessica obtient la clé de voleur. Alors, on va en profiter pour fabriquer quelque chose. On va mélanger le fouet de cuir et le bouclier d'écaille. Et c'est parti! Ch'tang. Tadam. Je crois bien que tu as quelque chose, là. Ça va prendre quelques temps avant que l'objet ne soit prêt. Et si nous le laissions le temps qu'il se prépare et que nous revenions vérifier plus tard? Et donc, on va pouvoir en profiter pour aller récupérer certains coffres qui étaient verrouillés. Alors d'abord, à Capérégrin, donc les trois coffres du Gugus qui n'arrivent pas à les ouvrir. Espèce de... Allez. Un boomerang. Hyper utile. Waouh, voilà une sacrée clé. Qui aurait pensé qu'elle allait ouvrir mon coffre? Vous m'avez vraiment bien aidé. Allez, pourquoi ne garderiez-vous pas tout le contenu du coffre? Tout est à vous. C'est gentil. Oh, le mec. Cent pièces d'or. Oh, on peut dormir, c'est bon. Et une mini médaille. Oh. C'est une, c'est un objet qui nous servira pour une des quêtes annexes, qui consiste à trouver les toutes les mini médailles qui existent. Et si je me trompe pas, il y en a 101. Oh la vache. Alors là, je vais juste m'amuser. Je vais faire mon méchant. Oh. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as mal au crâne? Non, pas encore. Oh non! Ça vient sans nous en empêcher. Merde! Ah oui, je sais pourquoi. Il faut d'abord sortir par ici pour avoir une petite cinématique. Donc on va la faire comme ça. Sinon on peut pas se barrer d'ici. J'avais zappé ces petits détails. Donc voilà, allez. Non? Are you fucking kidding me? Non, Tania, bon, ben voilà, allez. Jessica quand elle vole. Oh yeah! Et donc pour toute cette vidéo, comme on fera en théorie pas de combat, il va la contrôler! On va aller dire bonjour à notre copain le trouillard! Oh oui! Et remarque si c'est Jessica qui lui parle. Vous ne devriez jamais. Je viens tout juste d'apprendre que la jeune fille de la famille Albert à Alexandria s'est enfuie de chez elle. Salut, je suis sûr que ça doit être sacré pas un mèche. Ou peut-être qu'elle était malheureuse. Mais comment a-t-elle pu quitter sa famille comme ça, quand même? Elle aurait pu se rendre compte à quel point c'était égoïste, non? Hein? Quoi? C'est bon? Il va se barrer. Désolé. Reviens! Oh putain. Donc voilà, je t'avais dit que ça changeait un peu. Me traiter de pain mèche, non mais. Il s'est plus. Donc on va aller faire dodo ici. Ça nous coûtera moins cher. Ah oui, ça change aussi en fonction du nombre de membres dans l'équipe. Forcément. Il mériterait que j'en colle une. Mais bon, 9 pièces d'or là, hein, par rapport à 18. Ouais. Y a pas photo. Ah là là. Allez. T'as plus qu'à aller rechercher les coffres. Ok, bon, allez go. Alors, le coffre de Lontania. Enfin, les coffres de Lontania, est-ce que tu te souviens où est-ce que c'était? Il y en avait chez le marchand d'armes. Exact. Mais je me rappelle que chez le marchand d'armes, après... Ah, voilà. Il y en a un dans l'église. Ah oui. Et un dehors. Un dehors, je m'en rappelle plus. En dehors de la ville. Ah oui. Là où on a XP. Ah oui, ah oui, ah oui. Merde, c'est par la porte de service qu'il faut entrer. Mademoiselle va entrer par la porte de service. Je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Et je pars comme que je veux. Bonjour monsieur. Bonjour.
quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te prend d'arriver par derrière, hein? La porte principale est de l'autre côté. C'est la première fois que tu joues, hein? Non. Ah non? Ben j'imagine que je pourrais quand même t'apprendre un ou deux trucs. Écoute ça. Quand tu croises des monstres plus faibles que toi, tu peux te contenter de les intimider pour t'épargner un combat. La plupart du temps, ils s'enfuiront, tu le savais? Mais si tu essaies la même ruse avec des monstres plus forts, tu comprendras ta douleur. Faut bien évaluer la force de chaque monstre. Et tu montreras l'intimidation. Ah oui. Mais avant, ouvre les coffres. Un bâton de cyprès. Ouais. Tout ça pour ça. Une dague. Ah. À vendre, hein. Ouais. C'était un peu mieux quand même, ça rapportera plus de sous. J'aime bien quand même le fouet de Jessica, à quoi il ressemble. Regarde. Fouet d'épi. Pile bout, quoi. Je dirais rien. Allez, vas-y. Non. Exprime-toi librement. Je trouve ça juste très bizarre, très malsain. Bah t'as pas vu le reste. Je commence à regretter mon choix de fouet plus séduction. Et une mini médaille, donc la deuxième. Tiens, on va juste s'amuser. Yeah. Une femme de mon rang, devoir faire ça. Oh mon dieu. Regarde ce que j'y fais, la femme de ton rang. Non. Non. Il taille. Ça fait mal à la voilà. Tête. Pour te punir. Oh putain. Oui, complètement taré. Tu es complètement taré. T'es pas mieux, je te ferai dire. Mais... Cronio. Jessica fouet séduction, craignez-la. Ou pas. Quand t'as vu le truc qu'elle a pu nous faire aussi. Allez, on va aller chercher donc le dernier coffre. Oh ouais, intimidation. Venez petit gluant. Voilà normalement. Ouais. Oh excellent. C'est unique. Oh putain. Oh mon dieu. En fait, t'as pas une fiole d'eau sacrée? Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup pour juste aller chercher le coffre qui est là? Je sais pas. Ça vaut mieux la garder pour... Là, c'est quoi? C'est les combats qu'on va pouvoir plier. La piquant, sauvage à Paris. On va profiter pour regarder les sorts de Jessica qu'elle a au début. Oh yeah. Donc flamme, qui permet de lancer une boule de feu. On sait très bien ce que c'est. Altération, qui réduit la défense d'un ennemi. Et pour l'instant, c'est bon. Mais c'est déjà pas mal, quoi. Hein. Hey, flamme sur la picorne. Donc, juste, tu vas bourriner celui-là. Puis moi, bah, je vais m'amuser. Oh, ça va, du 12. Ça va. Du 31. Yeah. Oh oui. Je vais l'attaquer avec son fouet pour voir... Les dégâts, ouais. Nous, on s'amuse à s'exprimer. 13, ouais. Ça va, c'est pas trop mal. Ouais. Enfin, quand tu regardes à côté Yongus... Oui, mais Yongus, c'est un bourrin. Quoique, quand tu compares avec Decoy, ça va, en fait. Ouais, c'est pas trop mal, là. Et voilà, troisième mini-médaille. On va pouvoir retourner à Quai Pérégrin. J'aimerais bien que l'alchimarmite sonne maintenant, comme ça je pourrais montrer rapidement qu'est-ce que ça donne.
Donc en attendant, Jessica, c'est toi qui te balades partout. Un peu de liberté, je suis enfin sortie de sa tête, alors autant que je me balade. Exactement. De toute façon, je te suis. Alors, dame de l'idée, de l'idée, ou un... Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait à Quai Peregrin? J'espère vraiment que tu ne penses pas déjà revenir sur le continent nord. Le continent sud est énorme. Énorme, quoi? Nous avions continué à l'explorer. On dirait que le bug fonctionne, hein. Sans blague. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Mouigna, mouigna. 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 Nya. La grougna, moi. Grou, grou. D'accord. Tu m'as battu, là. Tout va bien. On va bien, tout va bien. Je sais que ça peut être long. Je pense que je vais peut-être couper au montage cette partie là où Jessica fait n'importe quoi en se baladant, je ne sais où. Hey, Q! C'est toi qui la dirige d'abord. Bah oui, mais bon, tu veux que je fasse quoi là? J'attends juste qu'un machin sonne. Ah si, je vais peut-être expliquer 2-3 trucs. Donc par rapport à la suite du jeu. Donc déjà au niveau des combats, les probabilités, donc par rapport à l'alignement. Au début, ça changeait rien quand on avait deux personnages. Parce que c'est vrai que ça fait 50-50. Et là, les probabilités, elles doivent être de... Celui qui est de... Les deux qui sont devant... Non, c'est... je crois que c'est du 40-30-30, je crois. Ah, ça a sonné! Oh yeah! Alors, Alchimermite. Allez, à boule. Tadam! Le fouet du serpent. Elle dit à boule. Donc voilà l'arme que je vais mettre à Jessica. On va en profiter pour relancer un objet, alors je regarde juste ce que j'ai. Pam 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 pam. Oh, on va mettre 2 herbes médicinales ensemble. Voilà. Là c'est une petite recette que pas besoin que ça se finisse dans cette vidéo, on s'en fout. C'est juste histoire de meubler dans l'alchimarmite. Autant profiter du fait qu'elle soit là. N'est-ce pas? Yep. N'est-il pas? N'est-il pas, très cher? Et donc voilà. Allez, équipe-moi 38 d'attaque là. Ouf, ouf. Tadam. Nouveau fouet. Alors attends, oh, j'aimerais qu'on. Yeah. Voilà. Oh, il y a déjà un peu plus de gueule. Et on va pouvoir aller vendre celui-là. Ce qui donne en carac, attaque 38. 68, 43. Voilà, t'as quasiment autant d'attaques que moi. Alors que je suis un level en tout. Et là, voilà, tu deviens quand même beaucoup plus efficace et on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, faire notre recherche de coffre correctement. Yeah. Et on va pouvoir booster la défense de Yangus dans le prochain épisode avec ce qu'on aura récupéré. Donc, bah, on va déjà se laisser là, ça fait quand même déjà une bonne vidéo. Ouais, une bonne demi-heure déjà. On a récupéré les coffres qui nous manquaient, donc. Ce qui va nous permettre de carburer au niveau de la recherche de coffres autour de Quai Peregrin. Et de nous diriger vers donc notre prochaine destination, l'abbaye de Maëla. Exactement. Où nous ferons la rencontre de plusieurs personnes intéressantes, dont certaines qui recroiseront notre route plusieurs fois dans l'aventure. Mais bah, je vous laisse le suspense jusqu'à la prochaine. Yep. Bon bah déjà je vous remercie d'avoir regardé cette 9e vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, on se retrouve très rapidement pour la suivante, la numéro 10. Non, n'importe quoi, j'ai mis non. T'es nul. Petit fail pour la fin, tu vois. Allez, allez, bah d'ici là, portez-vous bien. Dormez bien. Comme d'habitude, mangez équilibré, faites du sport, et prenez soin de vous. Ouais, et surtout mangez les pommes, parce que les pommes c'est très bon. Allez, salut salut les amis. Salut.